C'est là que l'histoire est allée prendre les gens d'ici, Urépimbar, Tron et les autres. Des gens tout à fait ordinaires, elle avait besoin de ces gens-là. C'est avec des gens ordinaires, avec des inspecteurs et des sous-inspecteurs que l'histoire compose ses aventures. Ils n'en demandaient pas tant, eux. Ils se trouvaient très bien dans leur destin exigu. Il paraît qu'il existait des époques où il n'arrivait rien. L'histoire, c'était pour les autres. On pouvait rester sur le bord, laisser couler. Mais aujourd'hui, il arrive quelque chose à tout le monde. Tout le monde est dans le coup, notre époque est ainsi. À l'époque, une belle époque. Tout le monde est dans le coup, notre époque est ainsi. Comme on voudra. Une époque où il n'y a plus de refuge. Les gens d'ici se croyaient préserver le tout. Ils étaient enfouis sous des épaisseurs de gros traitements. Dans les profondeurs de beaux quartiers, de lourdes portes à plaques de cuivre se refermaient noblement sur leurs bonheurs invulnérables. Ils étaient assurés contre le vol, l'incendie, les enfants, les accidents d'auto. Mais ils n'étaient pas assurés contre l'histoire. L'histoire les a délogés de leur bonheur, jetés dans la nuit, la faim et la merde. C'est cela notre part d'histoire. Nous avons vécu de l'histoire comme ceux qui ont fait les croisades. Ou ceux qui ont fait la révolution. On ne pense pas vraiment à ces types-là. Nous avons vécu de l'histoire comme ceux qui ont fait les croisades. Ou ceux qui ont fait la révolution. On ne pense pas vraiment à ces types-là. C'est vrai pourtant qu'ils ont été les pauvres bourgeois aussi, qui traînaient la patte, qui en avaient marre, qui rêvaient de paille où s'étendre, où se vautrer, dormir, bon Dieu, dormir. Ils avaient la fièvre. Ils disaient qu'ils allaient se coucher là, sur la route, et qu'ils se foutaient de ce qui arriverait. Qu'est-ce que ça pouvait être pour eux, les croisades? Une sale époque, une belle époque. Qu'est-ce que c'était, la révolution? Comme on voudra, notre époque est ainsi.